Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de la playlist et tout particulièrement de l'aspect tools. Donc dans la vidéo précédente on a parlé de edit et là on va parler de tools. Donc là on retrouve des options. Donc en fait Quick Quantitative Start Time, ça vous permet en fait de commencer directement sur les, comment dire, sur les mesures, sur les temps ici, sur les lignes en fait. Après, moi, j'ai pas trouvé vraiment de, parce que si on change, par exemple, ici, non, pas ici. Ici, en fait, ici, vous allez voir. Vous voyez, ça bouge, mais ça met tout le temps. Mais comme nous, en fait, quand on met notre pattern, ça se met directement sur la ligne, donc j'ai pas trouvé, grand, utilité par rapport à cette option, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'utilisez. Et parce que nous en fait ça se met directement, je sais pas si vous voyez bien, ça se met directement sur la ligne et je pense que ça permet en fait de se mettre si on est un peu en mode, parce que si on fait ça, tac, qu'on fait ça, ouais, j'ai pas trouvé de grande utilité à cette option là, mais n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez, si vous l'utilisez, de me dire à quoi ça sert vraiment. Ensuite, si on prend ça, qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça. En fait, ça va permettre d'enregistrer les patterns qu'on a sélectionnés. Et les audio clips et les drums. Là-dedans, from select start. Et celui-là, c'est pour avoir toute la musique, celui-là. Pour avoir toute la musique, tout, oui, c'est ça. Ensuite, export all playlist, c'est pour vous enregistrer dans ici par exemple. Et en fait, ça va juste enregistrer en wave de musique. Et ensuite, celui-là, c'est pareil. Si j'ai pas trouvé grande différence, si je téléchargement, bon, ça fait en wave. Bon, c'est pas, j'utilise pas vraiment cette partie-là. Mais bon, au moins, vous savez à quoi ça sert. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour améliorer la chaîne. Au revoir!